Jürgen Barsch, né en 1946 en Allemagne à Essen, dans la Rhénanie-Westphalie, est un tueur en série pédophile qui a assassiné quatre enfants près de Velberg à Langarberg sur une période s'étendant de 1962 à 1966. Il a été surnommé. Le tueur de foire Jürgen naît le 6 novembre 1946 avec pour patronyme Karl Heinz Sadrosinski. C'est un enfant de l'après-guerre et illégitime dont la mère Anna décède de la tuberculose peu après sa naissance et dont le père est un travailleur saisonnier hollandais. Il passe les premiers mois de sa vie à l'hôpital puis avec Gertrude Barst, mariée au riche boucher d'Essen, Gerhard Barst. Gertrude est venue à l'hôpital pour y subir une hystéroctomie au moment où Jürgen venait au monde. Les deux époux décident alors de recueillir dans leur foyer le jeune orphelin quand il a 11 mois. Cet enfant précoce, le futur Jürgen, est déjà propre. Ils auraient bien voulu le faire avant, mais le bureau de protection de la jeunesse a émis des réserves quant à son adoption en raison de ses origines douteuses. L'adoption officielle n'aura lieu que sept ans plus tard, en 1954. Durant ce temps, le jeune Karl régresse et redevient sale, ce qui dégoûte Gertrude Barsch. La même année, Karl Heinz devient alors Jürgen Barsch. Le garçon grandit avec le couple dans la ville de Langeberg, à présent Velberg-Langeberg. Et jusqu'à l'âge de 6 ans, Gertrude, pour le protéger, le tient éloigné des autres enfants en le maintenant enfermé dans une pièce du sous-sol de la maison dont les fenêtres sont grillagées. En fait, Gertrude et Gerhard ont peur que les gens médisent sur l'enfant et leur lancent à la face qu'il n'est pas leur fils biologique. Mais les ennuis de Jürgen ne s'arrêtent pas là. Sa mère adoptive lui interdit de se salir et plus tard de jouer avec les autres enfants afin de rester propre. Elle le frappe aussi sans raison. Lorsque ma mère poussait le rideau sur la droite et revenait comme un dragon de la boutique en balayant tout sur son passage, si je me trouvais sur son chemin, vlim, vlan, je prenais une paire de claques, uniquement parce que j'étais sur son passage. Et quelques minutes après, j'étais de nouveau le petit garçon qu'il fallait prendre dans ses bras et embrasser. Alors elle s'étonnait que j'ai peur et que je me défende. En fait, Gertrude souffre de troubles obsessionnels et est maniaque de propreté. Les connaissances de la famille noteront que le jeune garçon portait des bleus sur la peau. Son mari pensera même à divorcer devant les coups que donne Gertrude à l'enfant. Elle bat le petit de telle façon que je ne peux tout simplement pas le supporter, dira t-il. Il faut que je rentre, sinon elle va finir par me le tuer. Ces contraintes maniaques vont persister jusqu'à l'âge adulte de Jürgen, où Gertrude continuera à le laver elle même dans la baignoire. Je me lavais moi-même les pieds et les mains et ma mère me lavait la tête, le cou et le dos. Tout cela aurait encore pu être normal, mais elle descendait aussi sur le bas-ventre et sur le haut des cuisses, elle me lavait partout de haut en bas. Quand Gérard ouvre une seconde boucherie afin que Jürgen ait son propre magasin le plus tôt possible, c'est Gertrude qui va s'en occuper, c'est un moyen pour Gérard d'éloigner sa femme de son fils. Jürgen est dans un premier temps confié à sa grand-mère, chez laquelle il dormira dans le grenier, puis à une série de nurses. Alors qu'il a 12 ans, les barches lui font intégrer, après un petit pensionnat de 20 élèves, le 14 octobre 1958, le pensionnat catholique des Salésiens de l'abbaye de Marienhausen à Hallhausen-Rengo, qui accueille environ 300 pensionnaires. Je me souviens des coups distribués en permanence par ces hommes en soutane, que ce soit pendant les heures de classe, à la chorale ou même, cela ne les gênait pas, à l'église. Les punitions, complètement sadiques, restaient debout en pyjama, tous en rond dans la cour jusqu'à ce que le premier s'effondre. Les contacts sexuels, les amitiés, tout cela était interdit. Qu'un élève joue trop souvent avec un camarade, c'était interdit. Il considérait que toute amitié en tant que telle était suspecte. Il pensait que si on se faisait un ami, on lui mettait forcément la main à la braguette. Derrière le moindre regard, il soupçonnait toujours quelque chose de sexuel. On peut inculquer pas mal de choses à un enfant à coups de bâton, et ça reste. Et pour moi, beaucoup de choses sont restées. C'est aussi à ce moment qu'il va découvrir qu'il est un enfant adopté. Un jour, alors qu'il a de la fièvre et qu'il garde le lit, Jürgen Brach est agressé sexuellement par le père Gerhard Spoons, ce qui va le pousser en 1960 à fuir à l'établissement à deux reprises. La première fois, ses parents le recueillent à la maison avant de le ramener de force. Lors de sa deuxième évasion, Jürgen ne rentrera pas chez eux. C'est aussi à l'abbaye que Jürgen découvre pour la première fois qu'il est sexuellement attiré par les garçons. Il développe également son sadisme en s'exerçant sur les autres à l'extérieur du pensionnat. Il fera ainsi une centaine de tentatives de meurtre non abouties. À 15 ans, nous sommes en 1961. Jürgen se fait connaître de la police pour avoir agressé et torturé sexuellement le fils du maître peintre. Il l'a agressé dans l'ancien abri anti-aérien du quartier Oberbonsfeld de Hegerstrasse. Jürgen passe devant le tribunal pour blessure. La procédure est cependant rapidement abandonnée car il fait croire au juge qu'il s'agissait d'un combat et qu'il n'a fait que se défendre. À la suite de cela, il va développer des fantasmes de plus en plus sadiques qu'il met progressivement en pratique. J'aurais beaucoup aimé que l'enfant se défende, même si l'impuissance de ses enfants constitue en général un attrait pour moi. Victor et Detlet, je ne les avais jamais embrassés. Si je dis aujourd'hui qu'il avait envie de se faire embrasser en parlant d'un autre garçon nommé fraise, d'après moi ça s'explique uniquement par le fait que je l'avais terriblement battu avant. Jürgen Barch avait l'habitude de beaucoup se balader et utilisait fréquemment les taxis. Pour ce faire, il volait l'argent de la caisse de la boucherie et occasionnellement il utilisait le petit camion de livraison de la boutique. La fuite d'argent de la caisse a pratiquement mis les parents sur la paille d'ailleurs, mais personne n'a jamais soupçonné que ce pouvait être lui. Jürgen ne voulait pas travailler comme boucher, mais comme il n'avait aucune idée de la profession qu'il voulait faire, il a accepté de rejoindre son père dans l'entreprise familiale. Jürgen a explicitement déclaré que l'expérience de l'abattage d'animaux était très désagréable pour lui, et c'est pourquoi il a principalement travaillé comme vendeur au comptoir. Pour entrer en contact avec les garçons, il leur dit qu'il travaillait comme détective pour une compagnie d'assurance et qu'il avait besoin d'un témoin pour récupérer une valise pleine de diamants dans un tunnel. La plupart des enfants ne croyaient pas à son histoire et Jürgen les emmenait à leur boire un jus de pomme dans un pub à la sortie de la ville. Là, il leur offrait de l'argent, 50 Dutch Mark. Jürgen buvait lui aussi de l'alcool, mais prenait soin de garder le contrôle pour fomenter ses agressions et meurtres à venir. Souvent, il fréquentait les foires paroissiales où il invitait les enfants à faire un tour de manège gratuit. Les foires paroissiales en Allemagne attiraient à l'époque les pauvres et les sans-abri, ce qui rendait difficile pour Bartsch, bien habillé, de passer inaperçu. Mais le nombre d'enfants présents augmentait ses chances de ne pas être reconnu. Il transportait avec lui une grande valise dans laquelle il pensait mettre les enfants. Après qu'on lui ait demandé pourquoi il transportait une sarg c'est-à-dire un cercueil pour enfants, il s'est débarrassé de la dite valise. Jusqu'en 1962, il ne s'agissait que de déshabiller, de manipuler, et ainsi de suite. Plus tard, quand j'ai eu le besoin de tuer, ça s'est presque tout de suite accompagné de l'envie de découper. D'abord, je n'avais que des lames de rasoir en tête, mais après, la première fois, j'ai commencé à penser au couteau, à nos couteaux. Le 18 juin 1966, Jürgen, alors qu'il parcourt les rues de Upperford eberfeld rencontre Peter Funch, 14 ans, qui l'entraîne lui aussi dans l'abri anti-aérien. Là, il force le garçon à se déshabiller en lui assénant des coups de pied, puis il le menotte et tente de le violer avant de se lever et de lui faire savoir qu'il va revenir. Jürgen Barsch quitte le bunker devant rentrer chez lui à 19h tapante pour manger et regarder la télévision avec ses parents. Peter Funch attend quelques secondes et quand il ne voit pas son bourreau revenir, il réussit à couper ses liens avec la bougie qui se trouve non loin de lui et s'échappe. Il a eu de la chance car à ses autres victimes, Jürgen ne leur laissait pas la vie sauve. Après les avoir violées, il les tuait en les étranglant, en les assommant, puis coupait les corps à l'aide d'un couteau de boucher, avant de vider les entrailles et la cage thoracique, et en tirait ensuite les restes. Avec les cadavres, il utilisait diverses variantes dans la manière de les découper. Il pouvait castrer sa victime, lui arracher les yeux, découper des morceaux de chair dans les cuisses et les fesses pour les sentir ensuite, ou essayer d'avoir un rapport anal. Jürgen atteignait l'orgasme non pas en se masturbant mais en découpant les corps. Lors de son quatrième meurtre, il atteint l'absolue jouissance en attachant sa victime à un poteau et en le découpant encore vivant. Après que Peter Funch se soit échappé, la police s'est mise à la recherche de l'agresseur et a retrouvé en se rendant sur place les quatre victimes dans le bunker. Jürgen Barst, 19 ans, garçon boucher a été identifié comme auteur des crimes. Et arrêté par la police trois jours après, le 21 juin 1966. Jürgen Bartsch a reconnu rapidement les assassinats. Le 27 novembre 1967, le premier procès s'est ouvert devant le tribunal du district de Veuparthol, sous l'attention des médias et du public, tant au niveau national qu'international. Les audiences n'ont duré que quelques jours et le tribunal a considéré Bartsch comme un adulte, pleinement capable. Pour cela, il a été reconnu responsable le 15 décembre 1967. A perdu tous ses droits civils et a été condamné à cinq fois à la réclusion à perpétuité, c'est-à-dire 125 ans, pour quatre homicides, une tentative d'homicide, enlèvement d'enfants et contact sexuel avec des enfants. La défense a été assurée par l'avocat Alfred Linton et a été poursuivie par l'avocat munichois Rolf Bossi. En 1969, Bossi a fait appel devant la Cour fédérale de justice, qui a par la suite infirmé le jugement de première instance. L'affaire a ensuite été renégociée devant la Chambre de la jeunesse de Düsseldorf. Rolf Bossi a repris la défense. Le procès consistait uniquement à déterminer si l'accusé était responsable des actes qu'il avait avoués. Lors du deuxième procès, en 1971, à nouveau devant un tribunal de district, un très grand nombre d'experts étaient présents pour éviter de nouvelles poursuites. Deux généticiens, anthropologues, biologistes, légistes, à l'époque c'était la même profession en Allemagne, trois psychologues, cinq psychiatres et le directeur du seul institut universitaire allemand de sexologie. Deux des trois experts psychiatriques du premier procès ont été rejetés en tant qu'experts à la demande de la défense et un par auto-rejet. Le témoignage de cinq experts a été jugé pertinent par le tribunal et a conduit aux conclusions suivantes. Au moment des délits, Barch n'était pas encore suffisamment mûr c'était en effet un délinquant mineur. Sa responsabilité a été réduite parce qu'il ne pouvait pas contrôler pleinement ses pulsions sadiques. Cela contrastait fortement avec la décision du tribunal du district de Wuppertal du 15 décembre 1967. Compte tenu de la structure de la personnalité de l'accusé, sur la base de l'opinion donnée par trois témoins experts, force est de constater que l'accusé avait déjà achevé le processus de développement de sa personnalité. Le 6 avril 1971, Bartsch a été condamné à une peine de dix ans et à un placement au Egerborg Elf Nursing Home. Là, il a épousé une infirmière auxiliaire de Hanovre nommée Gisella en 1974. En prison et à l'hôpital psychiatrique, la mère de Jürgen Bartsch et une tante étaient ses principaux contacts avec sa famille. Les deux femmes ont été autorisées à lui envoyer des romans policiers, des bandes dessinées et des tours de magie. En effet, avant les procès, Bartsch était membre de l'organisation allemande des magiciens et illusionnistes. Étant donné que l'organisation n'aimait pas la mauvaise réputation que l'affaire des meurtres pouvait apporter, ils ne lui ont pas permis de rester membre. Les psychiatres ont proposé au jeune homme diverses thérapies, psychothérapie, castration et même psychochirurgie. Puisque Barch était toujours exposé à des fantasmes de meurtre, lui et son avocat ont demandé que soit effectuée une chirurgie cérébrale. En décembre 1974, cependant, des médecins de l'hôpital universitaire de la SAR l'ont informé que telle opération n'était pas possible. Afin d'échapper au séjour de longue durée en psychiatrie, Jürgen Barch a alors demandé sa castration. Il a été opéré à l'hôpital d'État d'Eckelborn. L'anesthésie a été réalisée, comme c'était souvent le cas en 1976, sans anesthésiste, uniquement sous la responsabilité du chirurgien. Deux produits chimiques ont été mélangés pendant l'anesthésie. La lotane a été surdosée dix fois à cause de l'utilisation d'un évaporateur de méthoxyflurane inapproprié. En conséquence, Bartsch a subi un effondrement circulatoire qui a entraîné sa mort. Jürgen Bartsch a été enterré à Essen, dans l'anonymat. Aucun nom n'est stipulé sur sa pierre tombale. Si vous avez aimé ce portrait, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.